C'était d'abord un grand plaisir de rencontrer encore une fois Monsieur l'Ambassadeur, lui donner le bienvenue à Washington. C'est toujours un plaisir de discuter avec lui, qui a beaucoup d'expérience concernant les relations entre le Fonds monétaire et la Guinée. Donc notre discussion, c'était véritablement une continuation des discussions qu'on a eues dans les derniers mois concernant le nouveau programme de la Guinée avec le Fonds monétaire qui a été signé à mi-décembre 2017 et dans lequel on continue avec un rapport de coopération et discussions continues. Pouvez-vous me donner un peu plus de détails par rapport à ce programme? Le programme, c'est un programme au titre de la facilité élargie du crédit qui est donc a commencé le 11 décembre 2017. Et ce sera un programme qui s'étale sur 3 ans pour un montant de à peu près 170 millions de dollars qui se seront déboursés en tranches, dont un montant de tout de 25 millions de dollars a été déjà déboursé. Ça, c'est un programme qui soutient les politiques économiques et des réformes des autorités guinéennes qui vise véritablement à soutenir, je dirais, le plan national de développement économique et social qui vient d'être approuvé par le Parlement. Donc, je dirais que les objectifs clés de ce programme sont véritablement du côté de renforcer la position macroéconomique de la Guinée, de continuer à la stabilisation macroéconomique, mais aussi d'augmenter d'une façon importante les investissements en infrastructure afin de soutenir une croissance plus élevée. Et donc, tout ça, tout un respect de maintenir la soutenabilité de la dette et aussi continuer à renforcer le niveau des réserves de la Banque centrale de Guinée et aussi mettre en base, la base, je dirais, pour un bon développement du secteur privé. Et vous évoquez l'infrastructure. Quelles sont les infrastructures sur lesquelles vous travaillez actuellement avec la Guinée? D'abord, c'est dans le programme d'investissement national de la Guinée, il y a plusieurs domaines qui sont touchés. Les domaines prioritaires sont véritablement le domaine de l'énergie, dans lequel il y a beaucoup de projets qui sont en train de bien avancer pour augmenter, je dirais, la disponibilité d'électricité pour le pays et afin de faire aussi de la Guinée un producteur, mais aussi un exportateur d'énergie sur la longue période. Et il y a aussi tout le travail en termes d'infrastructures concernant les transports, le réseau routier aussi, et je dirais, les projets dans lesquels il y a une volonté d'améliorer la productivité du secteur agricole. Donc nous, on regarde, je dirais, comme Fonds monétaire, comme une vision macroéconomique, donc on regarde aux grandes enveloppes. C'est bien sûr les autorités qui choisissent les projets qu'ils considèrent comme les projets plus performants pour soutenir l'économie guinéenne. Il y a 2 mois à Paris, il y avait eu une conférence internationale des bailleurs de fonds pour la Guinée. Pouvez-vous nous en parler et comment votre institution se situe par rapport à l'annonce qui a été faite portant sur quelque chose comme 20 milliards de dollars? Absolument. Nous, on a ça, c'était le groupe consultatif qui s'est tenu à Paris à la moitié novembre. Nous, comme Fonds monétaire, on a participé au groupe consultatif et on était entre le groupe des bailleurs de fonds qui ont soutenu la Guinée. De notre côté, on avait fait l'annonce à ce moment, en novembre, d'un accord de principe concernant le nouveau programme qui se serait matérialisé d'ici fin décembre. Et on avait annoncé enfin le fait qu'on serait allé au conseil d'administration. Tout ça a été tenu sur cette base. Donc, comme prévu, en novembre, le consultatif, on est allé au conseil d'administration, notre conseil, à moitié décembre pour approuver le nouveau programme. Plus en général, je pense que véritablement, le groupe consultatif était un succès pour la Guinée en termes de la mobilisation des ressources potentielles pour soutenir les efforts en termes de politique économique et des réformes.